Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure d'Office Touch ou reprendre l'un de vos personnages? Eh bien cette vidéo est faite pour vous! Laissez-vous embarquer dans un tutoriel complet de tout ce qu'il y a besoin de savoir pour évoluer dans le jeu! Sur Dofus Touch, un monde immense et une tonne de possibilités s'offrent à vous, et ça dès la création de personnages. Choisissez parmi les 15 classes disponibles aux capacités uniques, qu'ils soient guerriers, mages ou soigneurs, ils possèdent tous un grand panel de sorts qui s'adapte à votre propre style de jeu. Dès le départ, vous allez pouvoir faire vos propres choix de personnalisation. En effet, chaque personnage possède 3 voies élémentaires, associées soit au feu, à l'eau, l'air ou la terre. Choisissez bien, car les utiliser tous en même temps n'est pas très efficace à bas niveau. Toutefois, n'ayez pas peur de vous tromper, ces choix ne sont pas définis et vous pourrez revenir rapidement en arrière. Une fois en jeu, ces choix se présentent de cette façon. À chaque montée de niveau, vous obtenez un point de sort et 5 points de caractéristiques. Les points de sort servent à augmenter la puissance de vos sorts, et il est important de noter qu'ils ne sont pas tous à mettre au niveau maximum. La meilleure chose à faire est de lire la description du sort avant de songer à l'augmenter. Vous pouvez d'ailleurs facilement repérer les sorts à monter via des codes couleurs. Les sorts associés à la voie R sont en vert par exemple. Un autre point à prendre en compte sont les caractéristiques secondaires des sorts, comme la portée, le nombre de tours avant de pouvoir les relancer, ou leur coût en points d'action. Quant aux points de caractéristiques, ils sont assez similaires. Plus particulièrement, ils permettent d'augmenter les statistiques de votre personnage qui sont liées aux effets de vos sorts. Par exemple, si vous choisissez la voie R, il faut donc investir dans l'agilité, toujours représentée en vert. Enfin, vous pouvez équiper des objets sur votre personnage qui donnent des statistiques. Des millions de possibilités sont possibles dans Dofus Touch et de nombreux guides sont disponibles pour vous aider à optimiser vos équipements rapidement. Lors de votre exploration, vous rencontrerez de nombreuses zones aux créatures et végétations différentes. C'est ainsi qu'interviennent les mécaniques de métier qui permettent de récupérer de nombreuses ressources sous différentes formes. De ce fait, il est possible de créer des potions, objets ou pièces d'équipement indispensables pour tous les joueurs. C'est plus de 20 métiers qui peuvent être appris et maîtrisés du niveau 1 à 100, et ils permettent tous de faire un pas dans une vaste économie pour partir à la conquête de la précieuse monnaie du jeu, le Kama. Le Kama, c'est un pilier central pour bien évoluer dans Dofus Touch. Chaque monstre que vous affrontez vous font gagner des ressources qui ont déjà une valeur, mais elles peuvent être encore transformées, façonnées ou même détruites via les métiers pour les rendre encore plus précieuses. Sur votre route, vous croiserez de très nombreux personnages avec un point d'exclamation au-dessus de la tête. Ce sont les points de départ des quêtes qui vous proposent des aventures bien récompensées en XP et en Kama. Il existe deux types de quêtes. Les quêtes périphériques, qui sont souvent associées à la région où vous les obtenez et qui sont indiquées en vert, et la quête principale du jeu, indiquée en violet. Toutes les quêtes dans Dofus Touch valent le coup de s'y intéresser, que ce soit pour leur récompense et scénario, mais le point le plus important à retenir, c'est que les quêtes sont parfaites pour accompagner la montée de niveau de votre personnage. Avec les dernière mise à jour du jeu, la progression est fluide et permet de suivre des objectifs variés sans devoir toujours affronter les mêmes monstres. Si vous vous demandez quoi faire ou bien où aller, vous avez deux outils parfaits pour vous aider, les succès et le bestiaire. Le menu des succès vous propose une large liste d'objectifs à réaliser pour tous les aspects du jeu, et une fois l'un d'entre eux débloqué, vous obtiendrez de l'expérience, des ressources ou des kamas. Ils sont donc importants, mais surtout très intéressants à réaliser. Le bestiaire, quant à lui, indique toutes les informations des monstres que vous pourrez rencontrer. Par exemple, il est possible d'y comparer les prix des ressources à obtenir dans des zones spécifiques, mais vous pouvez également repérer facilement les forces et faiblesses de chaque monstre du jeu. Au fil de vos aventures, votre personnage va rapidement évoluer en puissance et voir son panel de sorts et possibilités en combat s'agrandir. Dofus Touch est un jeu stratégique et permet de très nombreux combos dévastateurs à maîtriser progressivement. Vous trouverez des défis avec plusieurs niveaux de difficulté et vous pourrez vous allier avec n'importe quel autre aventurier. Créez des groupes, rejoignez des guildes et des alliances pour mettre en commun vos compétences, mais pour ce point, pas de panique, Dofus Touch possède un énorme Discord communautaire et de très nombreuses fonctionnalités pour trouver facilement des alliés. Par exemple, l'outil de recherche de groupe permet de s'inscrire pour un donjon et de rassembler puis créer automatiquement un groupe, et ce, en quelques secondes, de n'importe où sur la carte. De quoi faciliter les rencontres entre des joueurs aux mêmes intérêts et niveaux de progression en permanence. Si vous recherchez toujours plus de défis, le PVP est là pour vous. Affrontez d'autres joueurs dans le Coliseum, un mode de jeu qui vous téléporte directement sur des cartes dédiées aux affrontements. Veillez tout de même à bien préparer vos équipements et maîtriser vos sorts pour être certain d'en ressortir gagnant. A chaque victoire dans l'arène, vous obtenez des colisétons, des petits jetons précieux qui valent un joli lot de kama. N'hésitez pas à tester cette mécanique de jeu à toutes les tranches de niveau, le Coliseum est accessible rapidement pour des combats qui le sont tout autant grâce au mode 1v1.
Les possibilités sur Dofus Touch sont vastes. Explorer les différents continents et dimensions mystérieuses du monde des 12, participer à la mythique chasse au Dofus et obtenir une puissance gigantesque. Votre personnage peut devenir ce que vous voulez. Alors téléchargez Dofus Touch en description pour le découvrir.